Monsieur Wally n'est pas content de moi, hein, parce que il voit que j'ai mangé le ventre qui n'est pas bien à Placali. Il n'est pas content. Monsieur Wally n'est pas content parce que mon ventre n'est pas à Placali. Mon ventre n'est plus bien. Je viens d'arriver là, je suis là. Qu'est-ce que tu vas faire cette fois-ci, Fleur de Lille? C'est vous qui allez choisir. Bonsoir à tout le monde. C'est la reine mère. Je suis en Tunisie à la clinique avec Monsieur Walid. Je tenais à vous dire que je suis là et que je suis toujours à plat. Le jour qu'à plat, Kali remonte, on recoupe encore. Pas de problème, j'ai le réseau. J'arrive, donnez-moi une minute. Je vais prendre, je vais mettre une petite musique. Je suis en Tunisie pour pomper ici. C'est là. Pour pomper là. Voilà, je suis venue en Tunisie pour le pompage. Ici. Là. Là. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez, bipez les jaloux. Bipez les jaloux. Bipez toutes les femmes qui veulent avoir la placa. Et les... Regardez ma poitrine d'abord. Je n'ai jamais refait mes seins. C'est la première fois. Donc, je suis venue faire la poitrine. Je veux avoir les seins d'une stripteaseuse. J'aimerais avoir les gros nibas d'une stripteaseuse. Bipez les jaloux. Oui. Regardez avant, hein. Ça, c'est le avant. Vous allez voir l'après. Sans soutien-gorge. Je n'ai pas de soutien-gorge. Regardez. Avec le ventre à placa. Le ventre toujours à placali. On a go. Je viens d'arriver. Hein. Je viens d'arriver en Tunisie. Je suis à Tunisie, là. Je suis avec mon chouchou. Je suis avec mon chouchou. Mon chou. Ça va mon chouchou? Tu es content de me voir? Ah oui. C'est vrai? Oui. C'est mon directeur. Voilà, c'est lui qui vous rend belle. C'est lui qui fait de vos rêves la réalité. J'ai toujours rêvé d'avoir les gros seins. Dès demain, j'aurai les gros seins. Je n'aime pas ma poitrine parce que déjà, ma poitrine est penchée. Qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce que vous allez me faire? Donc, ça sera logiquement une prothèse mammaire. Oui. Avec un bon lifting. Non, je veux pas de lifting mammaire. Je veux la prothèse mammaire 800. C'est-à-dire, je veux être comme ça. Je veux avoir les gros seins. Parce que là, je trouve que ma poitrine, elle est trop petite. Hein. Je veux avoir les seins d'une stripteaseuse. Oui, je souhaite avoir la poitrine d'une stripteaseuse. Et puis, qu'est-ce qu'on comptait me faire encore? Et pour les cuisses, ça sera un lifting, une position avec un lifting, avec encore une fois un lipofilling fessier. Donc, demain, je fais un lifting. Un lifting avec un lipofilling fessier, c'est-à-dire on me pompe la graisse ici et on met là. Voilà ce que je vais faire. Je vais faire tout mon corps. Oui. J'ai le réseau. Si vous avez des questions à poser, il y a le numéro de téléphone, je peux mettre? Oui, oui, j'ai épinglé le numéro. Voilà, il y a le numéro qui est épinglé. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez appeler là. En tout cas, pour tout le monde qui veut poser des questions, ils peuvent appeler sur ce numéro.
Oui, le numéro est épinglé. Ok. Ou sinon, il y a en haut déjà les numéros avec le site web où vous pouvez envoyer vos questions ou vos demandes de vie pour ça. Oui. Ah, flan. Ouais. Alors demain, je vais la prothèse 800. Je vais avoir les gros seins. Parce que vous savez que Diva Makalat vous dit que mes seins étaient trop petits. Et il y a le conseil de la Diva Lady Ponce. J'aimerais vraiment être une bimbo. Le 12 avril à Paris, je vais être une bimbo. Donc demain, un lupo feeling, ça veut dire on va amincir mes cuisses. Oui. Oui, c'est ça. Donc déjà, ils vont être bien minces et bien fermes. Oui. Avec le lipo feeling vraiment qui va redonner encore plus de forme à votre silhouette. Merci. Avec la prothèse qui va bien donner du bon volume. Oui, du bon volume. Avec le lifting. Voilà. Et puis une augmentation fessier. Vous là qui dites que oui, tu n'as pas peur. Quand vous traversez la mer pour venir en Europe, là, vous n'avez pas peur de mourir. Arrêtez de dire que tu n'as pas peur de mourir. Non, je n'ai pas peur. Quand vous bosaillez là. Non, non, quand on parle de mourir pour une chirurgie esthétique, c'est quand vraiment on n'est pas bien sûr de ce qu'on va faire. Déjà, chaque patient, Flore, déjà, elle a bien vécu l'autre fois l'expérience. Oui. Donc, on voit très bien qu'on fait quand même un check-up complet avant de qu'on fasse notre chirurgie. Parfois, on peut, s'il y a même des choses qui sont dangereuses, on peut ne pas faire la chirurgie. Le numéro épinglé, ton téléphone, il est où? Donne-moi, peut-être ils vont appeler. Vous pouvez appeler sur WhatsApp et sur le numéro épinglé. Donc, je compte aussi refaire mes lèvres. Je veux que le chirurgien m'augmente les lèvres. Oui. Oui, on va augmenter ma bouche. Je veux être comme ça. Plastifier le plastique de ça. Mais en tout cas, il ne va pas être trop. Hein. Oui, je vais augmenter aussi mes lèvres, les lèvres de ma bouche. Ils auront comme ça. En tout cas, le numéro est épinglé là. Si vous avez quelques questions à poser, on est là pour 15 minutes. Le numéro WhatsApp, c'est le... Donne-moi, Déjà, j'ai... Le numéro épinglé, oui, quelqu'un appelle là. Non? Fait ça vibre. Okay. Et la personne appelle en vidéo, hein, Usa, pour les cheveux. Allô? Bonsoir, c'est comment? Maman, je suis au secteur pour la placalio. Ça va? Merci. Merci. Demain, là, je vais augmenter ma poitrine. Monsieur Wally, demain, si tu as des questions à lui poser. Avec plaisir, madame. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. La dernière fois. Oui. Oui, et je vais faire tous ces examens-là et je vais vous envoyer. Avec un grand plaisir, madame. Oui, nous viendrons, nous sommes au moins 5, nous viendrons des États-Unis pour là-bas. On des États-Unis, waouh! On s'appelle, madame. Le pourcentage de la reine ne va bientôt sortir sur ça. Vous allez voir. Il ne me donne rien. Hein. En tout cas, à cause de la oui. Non, je vous encourage que personne ne vous décourage. Beaucoup de femmes viennent, chacun se cache pour venir. Donc, je ne... ayez le courage, maman. Quand tu as ton complexe, que tu as déjà les moyens, tu peux arranger, mieux arranger, maman. Ce n'est pas donné. Oui. Ah oui, oui, oui. Et tu dis que dans la team, il n'y a pas les pauvres. Dans la team des abeilles, il n'y a que les gens qui travaillent. Vraiment. Merci beaucoup, maman. Oui. Bisous, non. Bye bye. Voilà. Donc,
que n'ayez plus le complexe, maman. Les gens viennent, ils se cachent. Ils commencent à vous dire que je suis né comme ça. Personne n'est né comme même les blancs. Laissez-nous ça. Laissez-les comme mais, ça. Non, mais sérieusement, Flore, il y a quelque chose. Je sens que j'ai une graisse là. Si. On peut retoucher la plaque à lui, là. C'est sûr. Ouais, on va retoucher la plaque et je vais arrêter de boire. Non, non, mais... Allô? Oui, oui, bonsoir, madame. Bonsoir, elle est toujours en direct avec vous. Oui, elle est avec moi et je suis en haut-parleur. Je vais bien, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis fière de toi. Merci. Vraiment. Je suis là pour avoir les gros seins. Oui, donc je suis là pour. Je vais les seins d'une stripteaseuse, des gros nibards. Je voulais juste poser une question pour le chirurgien. Oui. Non, madame, on ne peut pas, on peut pas donner le prix, on doit bien juger vos volumes et vos relâchements. Donc, vous pouvez me rejoindre sur ce numéro-là, sur WhatsApp. Et puis, si on vous donne votre prix, tout le monde écoute. Chacun a peut-être son prix selon son volume, ce que tu veux. Ça dépend de ce qu'on va faire en tant que chirurgie, madame. Donc, est-ce que... Sans problème. Ok. Et puis, parce que je veux venir avec deux personnes. Ok, madame. Je suis fatiguée. En tout cas, vous pouvez me rejoindre demain sur ce numéro-là sur WhatsApp. Il faut faire le sport. Où vous allez m'envoyer les photos de toutes les hommes. Et on va bien en discuter quelle est la chirurgie qui sera bien adéquate. Maman, mon ventre est gonflé. Tu racontes quoi? Mon ventre n'est pas gonflé. Tu auras la forme guitare. Ok. Comment quelqu'un te dit que mon ventre a grossi? Moi, je mange. Mon ventre n'a pas grossi. Mon ventre n'a pas grossi. Oui, 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 j'ai bien vu votre destination, madame. Donc, on pourra bien en discuter de tous les détails demain après avoir vu toutes les photos. Sa femme va te lancer le cap à l'eau. Oui, mais après, je vais poser une question. Madame, laisse-moi voir tous vos détails demain et je vous réponds avec toutes les informations. Ça sera mieux. Avec plaisir, madame. Bonsoir et à vous, à demain. Ah, merci. Vous parlez quoi? Ah, elle te donne un gros bisou, Flore. Je te fais des gros bisous, ma chérie. Courage. Bisous, bisous. Quelqu'un dit que... Moi, je comprends pas. Vous dites que mon ventre est gros. Mon ventre est gros comment? Voilà ça. Comment vous dites que mon ventre est gros? Mon ventre n'est pas gros. Vous parlez de quoi? Mon ventre n'est pas gros, voyons. Regardez. C'est parce que mon ventre n'est pas gros. Vous connaissez comment mon ventre était gros avant? J'avais un gros ventre. Ah. Essayez là, vous croyez que mon ventre est... Moi, j'avais un très gros ventre. C'est parce que je ne peux pas vous montrer. J'avais vraiment le ventre de la bière. Dites que mon ventre est gros. Mon ventre n'est pas gros. Mon ventre n'est pas gros. C'est pour vous là-bas. Mon ventre n'est pas gros plus que pour quoi de carotte. Tu as quelqu'un qui t'appelle là. Ça, c'est un monsieur, ça. Allô? Ça va? Comment allez-vous? Ça va, j'ai vu que Flore est venue. Oui, ouais, je suis là. C'est toi qui as fait les gros seins la dernière fois, non? Oui. Oh, wow! Oh là là, tu as fait quelle taille, ma chérie? C'était impressionnant. Oui, j'ai fait du 500cc. Du 500cc? Oui, oui. 500cc. Oui. Wow. C'était 1500, oui. Magnifique. En tout cas, c'était pour te remercier. Grâce à toi, on a eu un beau
Oui. Parce qu'on a, on a un peu galéré pour trouver un médecin. Oui. Heureusement que moi j'ai une maman abeille, elle m'a dit non, viens voir, il y a un direct, c'est comme ça. Wow. Et puis on est tombé dessus, on a vu ton évolution, c'est comme ça qu'on a, on a contacté Wally. Oui. Et franchement, non, il s'est très 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 bien occupé, c'était bien. Wow. C'était trop bien. Non, je suis contente. Vraiment bien. Quand j'étais vue, quand j'ai vu, quand t'es passé, j'ai dit mon Dieu, je m'en vais vite faire une grosse poitrine. Oui, oui, on était contents parce que ma mère a fait la même chose que toi, pour rendre d'abord. Oui. Et moi, j'ai fait les seins avec un lipophilie. Oui. Franchement, on était très contents. Ça s'est très très bien passé. Comment tu ressens ton lipophilie? Là, ça va, j'ai maintenant un petit... La bosse est sortie, là, c'est... Ah, attends, la bosse, déjà. La bosse. Moi aussi, je veux la bosse, hein. Moi, je veux la même bosse que toi. Toi, tu as déjà un peu. C'est Walid qui m'a vu quand je suis arrivée, j'avais pas de fesses. Ah, oui. Ah, wow. on s'est moqué d'elle. On s'est moqué d'elle au début. Waouh. Et maman, comment elle va? Ça va. Là, franchement, pour elle, ça a bien cicatrisé aussi. Oui. Et là, on met la crème, on ne force pas trop. Oui. On reste beaucoup plus aussi, on fait des massages, donc elle, ça va. Ça va. Ah, d'accord, cool. Bon, elle a juste hâte de danser comme toi. Elle a hâte de montrer cette vieille chouette. Elle a hâte de montrer son ventre, cette vieille chouette. Ah, je suis contente parce que ta mère est accompagnée. Tu vois, les mamans comme ça, c'est pas... Elle est adorable, quoi. Il faudra lui dire merci parce qu'une autre maman, elle t'aurait découragée. Hein. Ah, elle a une maman extraordinaire. Franchement, ta mère, c'est ta copine, bravo. Ouais. Parce qu'une autre maman, elle t'aurait dit, non, pourquoi tu pars là-bas? Aujourd'hui, tu te sens bien. C'est le plus important, sincèrement. Elle veut m'encourager parce que depuis, elle avait vu mon mal-être. Dorine, demain je vais moi et Flore manger les fruits de mer de l'autre fois. Non, il te taquine. Moi je vais manger le mouton là. On est allé me chercher le mouton là. Oh maman, c'est les fruits de mer, c'était trop bon. C'était à Spa que vous allez au truc là, comment on appelle là-bas? Quoi? Oui, c'était à la Médina. À la Médina, vous allez? Exactement, on a mangé là-bas, il nous a amené manger. Monsieur Wally. C'était trop bon. J'avais jamais goûté ça, c'était trop bon. Franchement, Monsieur Wally, il est exceptionnel, quoi. Il est exceptionnel. Oui, franchement, il s'est bien occupé de nous durant tout ce séjour. Oui. Il nous a amené au resto, on est allé se balader. Je t'assure. Ils se sont bien occupés. C'est normal, l'argent entre, non? Il est riche, c'est normal. C'est normal quand l'argent entre. Il a trop de patients, hein. Ça, c'est clair, il a refusé. Je pense qu'aujourd'hui, le chauffeur a dit que je suis celle qui arrive aujourd'hui. Hein. Ouais. Il a beaucoup de passion parce que le travail est bien fait. Oui, franchement, c'est très, très bien fait. Surtout son chirurgien, je l'aime beaucoup. Il est très calme. Franchement, c'est un père de famille, il rassure. Il te dit, est-ce que tu es sûr, quoi? Tu vois, si tu as un doute, il te dit, il ne te force pas. Hein. Il te dit, écoute, tu... Mais ça fait plaisir. Il y a des moments quand tu parles avec une personne, tu sais tout de suite qu'elle sait de quoi elle parle. Lui, il sait vraiment de quoi il parle, quoi. Et quand tu veux plus, il te dit non. Hein. Si tu dis je veux encore ça, il te dit non, pas pour le moment. Oui. Moi, à la base, je voulais faire du 600, mais il a dit, bon, par rapport à ma morphologie, le 500 était mieux. Ouais. Donc, je ne voulais pas du tout ça. Lui, ils sont en place. Ça, c'est bien. Hein. Là, moi, je vais faire du 800. Ah, waouh! Ouais, je vais faire du 800. Donc, je vais devoir... Monsieur Wally doit me changer toute ma lingerie, hein, parce que je vais faire du 800. Oui? Voilà, vos situations avec moi sur Facebook. En tout cas, mon bébé, je t'embrasse très fort. Tu m'envoies une photo de toi, là, par WhatsApp? Oui, bien sûr. S'il te plaît. D'accord, envoie tout de suite. Merci ma pupus, merci.
J'ai vu une fille là dans le groupe à Placali. Elle était trop belle. Le oui. gars, c'est pourquoi les hommes se lançaient aussi. Papa, même les hommes appellent. Allô? Allô, salut. Oui, bonsoir. Moi, c'est Paul depuis Henri, depuis l'Allemagne. Oui. C'est l'assistant de Monsieur Walid. Oui. Alors, attendez, je ne parle pas avec la PDG. C'est moi-même. Ouais, comment je baptise même, tu reconnais ma voix, non, mon frère? Papa, exactement. Je chante. Mais chante, papa. Tu veux te renseigner pour ta femme ou bien pour toi-même? Pour moi-même, c'est le visage. J'ai la graisse au visage. Je ne sais pas comment on peut enlever ça. La graisse au visage? Oui, on dit ça. Comment j'appelle ça? J'appelle depuis l'Allemagne. On appelle ça. Papa, c'est ta photo ici, c'est ta photo ici, non, que je vois comme ça. Tu es trop mignon. Tu n'as pas de graisse sur le visage. Ok. Pas vraiment. Non, c'est vrai, tu es mignon, hein, je te jure. Tu n'as rien à faire sur ton visage, mon frère. Ok. Hein? Ok. Regarde ton bonnet, ta belle bouche. Parce que je pensais que je pouvais enlever un peu la graisse sur mon visage. Non, si tu le dis, je peux non, 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 ne touche pas ton visage, non, pardon. Ne touche pas, tu comprends, non. Fais pour ta femme, non. Investis l'argent là sur ton gars. Non, 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 madame, elle se porte bien à rien à retoucher sur elle. Ah, ok, non, papa, ne retouche pas ton corps, laisse comme ça. Je ne vais même pas te passer Walid parce que je ne suis même pas d'accord pour toi. Si c'était pour entre les cuisses, oui, on pouvait encore discuter par rapport à ça. Ok, bon. Je vais pas rester longtemps. D'accord, chérie. Alors, bisous. Ouais. Bisous. Ouais. C'est bien, non? On va refaire le visage. Bon, c'est pas évident que la photo, vraiment, elle est bien. Peut-être, c'est sa position. Ah, il a envoyé même ses photos, là. Non, c'est pas lui. Ouais, les femmes ont les problèmes, maman. Ça, non. Pourquoi appeler? Les gens ont les problèmes. On va couper bientôt. Monsieur Walid, explique-les ce que tu allais dire et puis. Non, en tout cas, là, c'est seulement un live. Pour dire que je suis là, pour dire que je suis bien arrivé. Bien arrivé. Et que on va en parler pour après, ça, après la chirurgie. Après la chirurgie, oui. Donc là, on veut bien s'il y a des gens qui veulent. Vous contacter directement. Et s'il y a des gens qui veulent vous poser quelques questions, mais sinon, on attend le montant qu'elle arrive. Oui, en attendant, vous discutez avec eux. Voilà, donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Et surtout, sachez qu'on fait la chirurgie esthétique d'abord pour soi. Parce qu'on veut être bien dans sa peau. Que les gens arrêtent de décourager ma copine. Si tu trouves que tu es bien comme tu es, c'est tant mieux. Si quelqu'un d'autre trouve qu'il a les défauts, il est complexé, que la personne fasse. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis venue banaliser cette histoire de chirurgie esthétique dans le milieu africain. Moi, je suis là pour banaliser que c'est rien. Je suis là pour vous faire comprendre que c'est rien. Parce que les gens ont peur. Et n'oubliez pas aussi qu'ici, on fait... Comment vous faites ce qu'on fait pour maigrir, là, pour perdre du poids? Explique-les. Parce qu'il y a beaucoup qui sont costauds, qui aimeraient perdre. Bon. En tout cas, ça reste toujours, ça dépend. Les gens, il y a, on parle de surpoids ou d'obésité. Donc, ça dépend de c'est quoi exactement votre souci. Est-ce que vous êtes en surpoids? Est-ce que vous êtes en situation d'obésité? Quels sont exactement vos besoins? Donc, pour tous les gens qui veulent vraiment avoir des informations, on veut toujours avoir toutes vos informations détaillées. Et comme ça, on pourra très bien vous conseiller qu'est-ce que vous pouvez faire. S'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose, ne m'appelez pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'appellent, je veux faire une telle chose. Une telle chose, ça peut se faire pour quelqu'un. Il ne peut pas se faire pour vous. Ou l'autre, voilà. Pour quelqu'un, on peut faire 2-3 chirurgies. Pour vous, on peut faire seulement une seule chirurgie. Ça dépend de cette chose, ça dépend de votre état, ça dépend de la quantité de graisse qu'on va aspirer, ça dépend d'assez de contraintes. Et si parfois, vraiment, il y a des gens qui ont payé quelque chose, ne me dis pas que pourquoi elle a payé 3 000 euros et moi je vais payer 5 000 euros ou 10 000 euros ou 20 000 euros. Chacun a la chirurgie qu'il doit faire.
Donc, ne confrontez pas les deux chirurgies. Et discutez le prix selon votre moyen. Ne faites pas la comparaison. Donc, pour moi, les gens, j'envoie les tarifs, les mêmes tarifs pour tous les gens. Mm-hmm. Il n'y a pas de préférence entre les gens. On a notre tarif qui est applicable pour tous les gens. Mm-hmm. Donc, s'il vous plaît, avant qu'on parle des tarifs. Vous discutez le prix, hein? Non. Il vous donne un tarif même pour toi. Vous discutez, non? Non, non. Généralement, je vous assure, Flo. Le bien l'avion coûte pas cher, ça coûte 200. On fait déjà, quand quelqu'un fait des chirurgies, assez, plus que deux chirurgies, mm-hmm. il aura toujours des remises. Oui. Mais le problème des gens, après, quand on lui fait les remises, il demande encore des remises. Et il cherche trop le bas prix. Et je répète toujours à tout le monde que je n'accepte pas les gens qui cherchent les bas prix, parce que si vous allez chercher les bas prix, vous allez tomber dans la médiocrité des choses. Donc, je vous donne les meilleurs prix qu'on peut vous offrir avec une bonne prise en charge, avec un bon suivi. Là, même les patientes, quand elles rentrent, ils ont vraiment l'avantage qu'on les suive pendant quelques semaines aussi. Donc, c'est pas vraiment, il faut bien voir que vous serez vraiment bien pris en charge. Et après une chirurgie, les résultats ne sont pas là tout de suite. Il faut être patient. Par exemple, après un abdominoplastique, tu as le ventre qui est enflé, qui est gonflé, hein. Il faut faire le drainage, il faut le temps pour que que ça prenne. Bien, il faut être patient. Il n'y a aucune chirurgie qui ne fait pas mal. Mais la douleur n'est pas cette douleur dont on vous parle. La douleur est supportable, en fait. Aujourd'hui, c'est plus comme avant. La douleur est supportable. Donc, moi, j'ai des personnes qui me posent des questions. Est-ce que ça fait mal? C'est des questions. La douleur, ça ne fait pas plus mal qu'accoucher normalement. Si tu es une femme que tu as déjà eu à accoucher, sache que la chirurgie que tu fais ne fait pas plus. La douleur n'est pas plus forte que la douleur pour mettre au monde. C'est silencieux. En tout cas. Et par exemple, quelqu'un qui vient des États-Unis, du Canada, tout ça, mm-hmm. est-ce que. Parce que les gens qui sont en France, le billet d'avion c'est 150€, 200€, ça dépend. Hein. Parfois tu peux trouver un billet d'avion à 100€. Distance fait que tu peux faire un petit prix sur quelqu'un qui vient de loin, du Cameroun? Non, en tout cas, c'est pas question le prix. Mais n'oubliez pas, Flore, aussi, que quelqu'un, par exemple, une abdominoplastie, c'est aux alentours de 6 000-7 000€ en France. Oui. Si on est au Canada, aux États-Unis, elle est autour de 13 000 à 15 000€. À 15 000 $. Mm-hmm. Donc, vous voyez aussi, donc, pour venir ici pour faire une abdominoplastie à 2 500 ou 3 000 €, ouais. c'est quand même, et surtout avec une bonne prise en charge, mm-hmm. et avec une bonne chirurgie, mm-hmm. on ne discute pas aussi trop le prix, parce que moi aussi, si je vais aussi bien descendre mes coûts, je vais aussi tomber aussi dans la médiocrité de service. Mm-hmm. Et ça, c'est quelque chose que je n'admets pas. Non, c'est vrai, si quelqu'un n'a pas les sous, ça n'est pas la peine. C'est vrai. Si tu n'as pas l'argent pour faire, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas les cacahuètes, c'est quand même ton corps. Parce que pourquoi il y a des cliniques qui acceptent tous les prix et puis tu ressors, il n'y a pas de résultat? Parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas refuser l'argent. Non, je vous raconte ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été trompés par les prix. Mmh. Et là, il me revient. Pour la réparation et je vous assure, de la chirurgie ratée. Je vous assure. Ce sont des gens qui sont plus ou moins connus, mm-hmm. et qui font aussi des choses. Donc, ce sont des gens qui font des chirurgies ailleurs, mm-hmm. et vraiment. Et après ça, ils me contactent pour c'est après la chirurgie. Mon Dieu. Oui, ça c'est après la chirurgie. Oh là là. Ça c'est une abdominoplastie après la chirurgie. Putain, c'est pas possible. Ok. Donc ça, quand on va demander de faire trop de chirurgie, on ne va pas les faire bien. Et quand on va aussi tomber dans le bas prix, on ne va pas vraiment être bien servi. Vous pouvez, je ne sais pas s'il y a quelques patientes qui sont déjà, la Dorine, elle était dans cette chambre-là avec sa mère. Donc... s'il y a d'autres patientes aussi qui sont connectées et qui ont déjà vécu l'expérience avec Amilcar, ils peuvent aussi appeler pour parler. Pour parler aussi de leur expérience, comment elle a été leur prise en charge, comment ils l'ont vu. Je salue mon chéri depuis le Tchad, mon bébé à moi. Je te salue, mon amour. Je suis bien arrivée. Allô?
Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, monsieur. Comment allez-vous? Ça va. Donc. S'il vous plaît, monsieur, c'est le mot. J'ai que votre nom rentre parce que j'ai envie de refaire mon ventre, en fait. Ok. J'ai envie de diminuer le rond de ventre. Ok. Vous envoyez une photo pour okay. Oui, vous devez, madame, envoyer des photos de devant et de côté du ventre pour bien juger les volumes et les relâchements que vous avez. Après ça, je vais bien vous rappeler pour vous donner toutes les informations relatives, madame. D'accord, monsieur. À tout à l'heure. Ah, c'est mon bébé. Les abeilles sont jaloux. Ah. Ils sont en train de dire que quoi hein? Ils prennent notre en cas, il n'y a rien. Maman, le froid, c'est le froid qui va nous tuer. C'est ma soeur. C'est mon frère. C'est hein? mon ami trop trop intime. Et sérieusement, je vous dis quelque chose que avant je n'ai pas trop dit. Bon, il y avait quelques patients qui me posent la question à propos de Flore. Flore, quand elle est venue la première fois, donc je voyais la personne qui est connue, qu'elle va venir faire sa chirurgie et qu'elle va faire plus ou moins, je suis la star, et qu'elle va faire vraiment d'une manière trop supérieure. Donc quand Flore elle était là, donc j'ai découvert une autre personne, une personne qui est trop simple, qu'elle ne veut pas trop de les protocoles, que vous, oui, c'est vrai, Flore, parce que c'est pas tout le monde qui sont connus, qui sont comme ça. Et vraiment, c'est la chose qui vraiment laissait que vraiment moi, Flore, on est devenu vraiment on est devenu d'amis qui sont trop proches. On n'a pas de protocole entre nous. Donc on peut s'appeler, on s'appelle entre amis sans aucun protocole. Voilà, et c'est pas tous les gens qui sont connus qui font ça. Il y a même ceux qui on sont reçoit, pas connus qui se la pètent tellement. Non, parce qu'on reçoit des gens quand même un petit peu connus et vraiment ils font toujours les manières que. Allô? Allô? Bonsoir, madame. Oui, c'est le docteur. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en direct sur le téléphone de ma femme? Oui. Ah, mais c'est le docteur même ou c'est son représentant? C'est son représentant, mamie. Oh non! Désolée, bonsoir. Bonsoir, ma fille. Oui, j'ai bien entendu l'écho du live. Ah, d'accord. Oui, alors, excusez-moi, moi je vous appelle depuis la Suisse. Enchantée. Maman, les Suisses sont là ce soir, les Suissesses. Ça dépend, madame. Ça dépend de l'emplacement de la cicatrice et ça dépend de ce qu'on va faire. D'accord. Donc, il y a des cicatrices qui peuvent s'enlever avec la chirurgie. Il y a des cicatrices qu'on ne peut pas les éliminer avec la chirurgie parce que ça va laisser encore d'autres cicatrices. Donc, on doit voir exactement les photos des cicatrices que vous avez. Avec ça, on pourra bien vous répondre. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire exactement pour votre cas? D'accord. Et puis, j'aimerais aussi savoir peut-être pour la rhinoplastique. Ok. Mamie parle bien, non? C'est quel genre de wattisage, ça? Ma photo est grave. Pardon, parle bien. C'est quoi le wattisage, là? Tu as avalé ta langue? Ok, alors dites-moi ça se passe comment pour la rhinoplastie?
Non, non, madame, laissez les détails. Après avoir envoyé les photos, Oui. et je vais bien m'expliquer. Il y a beaucoup de monde qui appelle. Donc, pour tous les détails, D'accord. on va bien. Si vous avez une question d'une façon générale, je peux vous répondre. Comme je vous ai dit, là, ce soir, on est en train de parler. Déjà, on a fait le live Merci. Pour en parler de la bienvenue de Flore. Mais pour tous les détails, les informations personnalisées, vous pouvez m'appeler tout à l'heure. Où vous allez Merci. M'envoyer des détails. My God. Ok. Merci, à tout à l'heure. Et la bille. La bille. La bille, tu peux prendre le plateau. Les oui, cuisines, ça oui, court. Ok, oui. je vais mettre dans le plateau. Oui. Non, non, non. Il... Tu prends le plateau à la cuisine, c'est possible d'avoir le plateau. Maman, mon mouton blessé, je mange avant d'aller. Je vais mettre debout, ça faut partir. Si je tais, je tais. Maman, on ne meurt pas. Je mange d'abord. Ok. Non, je mets le truc aussi à peu près. Parce que là, c'est. Juste la canette, on va faire la canette. Oui, la canette, c'est pas moi. Ouais. Je crois qu'elle est là. Maman, je mange d'abord. C'est beau, la bête ne revient plus. C'est pas demain, ne revient plus. Vous mangez d'abord. Alors, oh mon docteur, vous êtes jalouse. C'est mon ami, hein, Kachou Kambamboli. C'est une blanche. C'est pas de quel pays. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Voilà, vous avez ma foi. Oui. Bonsoir. Maman, tu es une blanche, mamie. Oui. Voilà, ma faute. Je voulais te faire part que ça, c'est mon pays. Où tu es dans mon pays. Ah bon? Voilà, non, je vais te faire une petite attaque là par rapport à ça parce que j'étais là-bas, j'ai fait 5 ans là-bas. Monsieur Wally, il est là, il va te dire. Monsieur Wally, j'ai fréquenté à l'université canadienne à Manhattan. J'ai fait l'université canadienne de Manhattan. Ok. Wow. Juste à côté de poste de police de Manhattan. Ah oui, oui. J'ai vécu à Ibn Khaldoun. Ok. J'ai vécu à Enas et j'ai vécu à Mana. Enchanté. Voilà. Et vous êtes de quel pays là? Vous êtes de la Russie? Vous êtes de quel pays? Parce qu'on voit une blanche là. Tu es de quel pays? Mais non. Ma faute. Tu connais qui t'appelle? Je vais te dire, c'est ta soeur, c'est que je suis camerounaise. Non, la photo de la blanche qui est là, c'est qui? Voilà, c'est ma copine, elle est tunisienne, c'est ma copine qui est sur mon profil, donc ah, okay. Ah d'accord, ok, j'ai compris maintenant. Oui, on a fréquenté ensemble, on vit ensemble donc, depuis des années, donc voilà, c'est tout ça. Enchanté. Et moi, je voulais faire comprendre que je suis très contente que ma femme arrive chez moi, parce que c'est mon deuxième pays de cœur, en fait. Ah, waouh. Et les Tunisiens sont tellement accueillants, ma foi, j'ai fait 5 ans dans ce pays, ils sont tellement accueillants. Ouais, c'est toujours un plaisir. Ouais, ils sont les très Tunisiens oui. sont tellement accueillis, ils sont trop frais. Mm-hmm. Et la seule chose que les Tunisiens détestent chez eux, en fait, un peu, ils sont trop frais. Ils ont peur de l'hypocrisie. Ils sont un peu méfiants aussi. Mm-hmm. Ça, c'est trop vrai. Ils sont trop méfiants. Je suis très contente comment faut que tu sois là-bas et que vraiment ça se passe. Mm-hmm. C'est pas la première fois. Hein. J'étais déjà venue l'autre fois. Je sais pas si tu. Ma cousine, c'est à qui? Tu sais pas qui t'appelle. Tu vois pas qui c'est parce que c'est pas ma photo. C'est pour ça que tu. Ah. Envoie-moi un message sur mon numéro que je mets souvent sur mes lives là, je veux voir qui c'est. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, tu verras. Ça c'est mon pays, Tunis, Carthage. Non, franchement quoi. Mm-hmm. Je suis très contente, ma foi. En tout cas, merci beaucoup, non. Oui. Mais moi, faut aller au marché. Il y a un marché. J'ai déjà été. Non, non. Bon, j'ai pas beaucoup de temps de faire les marchés parce que je sais que c'est toujours mais les. Non, c'est à moi dans un marché où tu vas aller, tu vas voir, il y a beaucoup de Camerounais là-bas. Non, maman, je vois déjà beaucoup de Camerounais à Paris et je ne suis pas venue chercher les Camerounais. Maman. Ils ont besoin de toi parce qu'il y a au moins 3 personnes. Ma puce, regarde, on te rappelle plus tard, hein. Comme ça fait déjà 3 minutes, il y a quelqu'un qui essaie de rappeler. Merci. Merci, mon. Merci, je te vois, merci. Il y a la dame là qui a appelé.
Elle veut la liposuction. Waouh. Tout ce que vous envoyez, c'est confidentiel. Hein. C'est confidentiel. Donc, quand on veut faire une chirurgie, on envoie ses vraies photos. Parce que si tu veux faire une chirurgie, tu ne sais pas, tu n'envoies pas tes vraies photos. Tu envoies les photos de quelqu'un d'autre. Ça ne sert à rien, quoi. Envoyez vos vraies photos. Pour prendre des renseignements, on envoie d'abord ses photos en premier lieu. Pour se renseigner, on n'appelle pas comme ça, on commence à dire les prix, c'est combien. Ce n'est pas le marché central, hein. C'est une chirurgie. Tu envoies d'abord la partie que tu veux traiter et tu demandes que est-ce que c'est possible et ça coûte combien. C'est où on t'envoie un devis. Ce n'est pas qu'on fait comme c'était les cacahuètes qu'on vend là. C'est combien le ceci? C'est combien? C'est... Non, c'est pas comme ça les filles. Hein? En tout cas, juste pour informer tous les gens qui sont... l'été arrive prochainement. Donc prochainement, on va faire la promotion pour deux chirurgies. Pour les barres de chocolat, pour les gens qui veulent avoir des tablettes de chocolat. Des tablettes de chocolat, oui. Ah bon? Oui. Sérieux, c'est que ça s'appelle comment? Maman fabrique les tablettes de chocolat ici. Pour les tablettes de chocolat, oui. Et pour la chirurgie du lipofilling des hommes. Pour le lipofilling de la partie intime, des hommes. Pour allonger, pour agrandir. Écoutez, on va bien faire une promotion. Après la chirurgie de Flore, on va bien parler de cette promotion. Oui. On va faire une bonne promotion. Promotion en de tablette de chocolat. Tablette de chocolat. Agrandissement et, de ça. Agrandissement. Du plantain. Donc, on va faire prochainement. Après la chirurgie de Mafo, on va bien en parler, on va bien lancer cette promotion-là pour les hommes qui veulent avoir. Après ça, je vais faire une chirurgie pour redresser mes pieds. Vous allez suivre au fur et à mesure. Oui, ça, c'est le. Comment on appelle le monsieur qui fait ça? C'est le. L'orthopédiste. Orthopédiste. Oui, ah. Vous allez voir ici comme ça. Mon mouton là, je préfère manger le mouton là avant de. Combien coûte le bail? Parce qu'on te dit d'écrire. Arrêtez de poser les questions comme ça. On vous dit que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Tu dis que combien coûte le bail passe, ma chérie? Tu ne comprends pas qu'il faut envoyer un message sur WhatsApp avec tes photos avant de demander combien ça coûte. Il faut biper Kikinette. Pour lui, je vais lui faire gratos. Tu t'en vas? C'est la même là qui appelle. Bonne nuit. Bonne nuit, merci beaucoup, monsieur. Merci. Ouh, maman, je dis que le mouton braisé. J'ai oublié de laver les mains. Vous ne mangez pas le mouton? Merci. Non, tu prends quand même merci. Un mouton. Merci, c'est très gentil de prendre. Non, merci. Maman, c'est le chauffeur qui m'a donné ça. Je voulais payer, il m'a dit non. Les gens là. Donc là, on va laisser ma fou manger. Merci tout le monde. Merci d'avoir appelé pour poser toutes vos questions. Donc pour tous les gens qui sont vraiment bien intéressés d'avoir assez d'informations, vous pouvez appeler sur le numéro de WhatsApp qui s'affiche en bas ou à travers le lien de site web. Il y a les numéros, il y a le site web où vous pouvez envoyer aussi vos demandes de devis pour tous les détails. Mafo, vous clôturez? Maman, merci beaucoup. Vous n'aurez pas de mes nouvelles jusqu'à dans deux jours. Vous aurez mes nouvelles dans deux jours. Dans deux jours, le week-end. Dimanche. Dimanche, je vous donne les nouvelles. Dormez ce soir en priant pour moi. Mettez-moi dans vos prières. Bisous, bisous à tout le monde. Je vous aime. Une grande promo va commencer après ma chirurgie, là. Des tablettes de chocolat. L'augmentation du pénis. Ceux qui veulent augmenter leur pénis. C'est possible. Donc, bonne nuit tout le monde. Bonne nuit. À très bientôt. Pour tous les gens qui veulent avoir plus d'informations, vous pouvez après ça me contacter via WhatsApp. Bonne soirée, bonne nuit, gros bisous.